Dans les gouvernants secrets 1, la précédente cassette, nous avons parlé des extraterrestres, de leur ingérence. Mais sur un ton peut-être un peu anodin, il ne faut pas oublier qu'il y a de multiples espèces extraterrestres qui nous visitent. Toutes ne sont pas aussi anodines et nous allons apporter quelques précisions à cet égard. Maintenant dans le Languedoc pour y rencontrer Marcel Pech, qui est un ufologue averti, qui est l'un des tout premiers, de même que René Varino, à avoir rejoint les rangs de notre petit groupe de pointe œuvrant dans la recherche de la vérité sur les gris. Et nous allons le voir, il va nous parler de certaines rencontres particulières et notamment de recherches effectuées dans le cadre de son organisation Tocchetti, qui est aussi le nom de la revue qu'il publie. Marcel Pech, nous sommes à quelques kilomètres de Cuxac-d'Aude, qui est le fief de ton organisation de recherche sur les ovnis Tocchetti, et pas très très loin de Narbonne, et moins loin encore, disons à 200 mètres environ, d'une usine de retraitement d'uranium enrichi, c'est ça. Et il s'est passé quelque chose d'assez prodigieux le 12 décembre 1987. C'est ça. Tu as fait une enquête minutieuse sur ce cas. Oui, j'ai fait une bonne enquête. J'ai fait une bonne enquête, oui. Eh bien, voilà ce qui s'est passé exactement. Ce 12 décembre, c'était un samedi. Et ce samedi matin, un habitant de Narbonne, M. Gérard Lamy, a décidé de venir ici, comme il en avait l'habitude, pour prendre du bois mort pour sa cheminée. Le ciel était bas, il bruinait même un peu quand il est parti. Et quand il est arrivé ici, il a pris ce petit chemin, difficilement carrossable, et il s'est arrêté là à 10 mètres. C'était le matin, le soir? Le matin, à 10h30. Il a fait le tour de sa voiture, il a ouvert son coffre pour être tout prêt à mettre son bois, et il s'est avancé de quelques mètres, et il est tombé sur ce qu'il a vu au premier abord, une poignée de motards avec des instruments bizarres derrière, sans roue. Hein. Il disait, scooter, oui, il dit que c'était plutôt des scooters de neige parce qu'il n'y avait pas de roue. Et là, il s'est approché, il a demandé tout de suite, qui êtes-vous? Et alors, il s'est aperçu que vraiment, ça n'était pas normal, les visages, les yeux très étirés, etc. Alors, il y avait d'abord deux personnages d'environ 1m60 de hauteur, et à côté, trois petits d'1m20, dont un avait les cheveux blancs, comme un albinos, a dit Monsieur Lamy. Et il a engagé la conversation. Il parlait le français. Oui. Et d'ailleurs, il a posé la question à savoir pourquoi il parlait français. Alors, il leur a demandé d'où venez-vous. Et alors, c'est une femme, d'après lui, qui lui a répondu d'une voix nasillarde, et avec un mauvais accent, planète Earth. Oui. Bon. C'est-à-dire qu'elle désignait en réalité la Terre. Voilà. C'était un mélange d'anglais et de français. C'est ça. Parce que Planet Earth, évidemment, ça veut dire la Terre. Voilà. Et un troisième personnage est sorti de ce buisson, est venu se joindre aux deux grands d'1m60. Et il paraissait mécontent de voir une conversation engagée. Et alors, quand M. Lamy a demandé à cette femme, comment se fait-il que vous parliez français? Elle a dit, mais nous enlevons des fois des Français, et il y en a qui veulent demeurer avec nous. Et puis elle lui a dit, bon, nous allons partir. Alors voilà ce qui s'est passé exactement. La femme est montée à califourchon sur un engin. Les deux autres d'1m60, l'un derrière l'autre sur un deuxième. Le petit albinos à califourchon sur le troisième, et les deux autres petits, l'un derrière l'autre sur le quatrième. Et Gérard Lamy a vu sans bruit se soulever les engins de 30 cm, virer sur eux, partir, et alors un bruit assourdissant lui a fait se boucher les oreilles et fermer les yeux, et quand il s'est revenu à lui, il n'y a plus personne. Voilà.
Alors je l'ai rencontré, j'ai été le voir, on a discuté pendant une heure. Je l'ai questionné, c'est un homme très sympathique et sûr de lui. Et il avait bien vu ce qu'il a dit. Alors ce qui m'intriguait, c'était ces scooters. Il m'avait dessiné, j'avais jamais connu ça en ufologie. Alors coup de téléphone sur coup de téléphone, et c'est M. Voirino, président de CO France à Marseille, qui m'a dit que 3 semaines avant ce 12 décembre, un monsieur à Penmirabeau avait vu dans le ciel 2 appareils qu'il avait dessinés pour M. Voirino, et c'était exactement les mêmes. Donc il y avait un recoupement. Concernant ces survols des sites nucléaires par des vaisseaux venus d'ailleurs, nous allons rencontrer notre ami Alain Martin, qui est un vieil ufologue lui aussi, tout à fait compétent, et qui a enquêté sur une centrale nucléaire la plus proche de Paris. Sur fond de centrale nucléaire dans Nogent-sur-Seine, nous rencontrons aujourd'hui un jeune vieil ufologue, un vieil ami, Alain Martin. Tu as commencé à t'intéresser à l'ufologie à un moment où peut-être on n'utilisait pas encore tout à fait le terme ufologie. C'était en 1975. Alors, nous sommes devant la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine. Explique-nous pourquoi. Eh bien, depuis 1979-1980, sur le secteur qui se trouve derrière nous, la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a été construite. Et puis, bien entendu, ce fut progressivement comme un appel à tout un tas d'engins qui ont circulé par la suite. Nous en avons eu des preuves, aussi bien des témoignages très officiels comme des témoignages particuliers. Tu m'as parlé d'un engin qui s'est posé dans un village, carrément, ou à la sortie immédiate d'un village. C'est exact. En 1980, un cultivateur qui venait défricher sur le secteur de la centrale, bien avant qu'elle soit construite, pendant l'hiver, c'était en fin octobre, début novembre 80, ce monsieur sortait du village de Voulton. Il faisait nuit, bien sûr, puisqu'il était aux environs de 6 heures du matin. Tout à coup, son faisceau, les phares de la voiture, ont carrément éclairé le module qui se trouvait complètement atterri à la sortie du village. Bien entendu, son réflexe a été d'appuyer sur l'accélérateur parce qu'il a eu une peur absolument invraisemblable. Et quand il arrivait à la centrale, il était blanc de peur. Il s'est dit, mais si j'avais su, j'aurais dû me cacher pour voir le décollage de l'engin. Alors je lui ai dit, quelques temps après, j'ai dit, monsieur, mais vous avez certainement arrosé votre café le matin. Et vous avez confondu. Et il m'a répondu, vous savez, je suis un cultivateur, je connais tous les engins, tracteurs, moissonneuses qu'il peut y avoir dans les champs. Et quant à moi, je n'avais jamais vu ça. On croyait évidemment à un acte au hasard. Et il y a eu des choses tout à fait exceptionnelles. C'est que d'autres personnes ont été témoins d'engins plein ciel tout autour de la centrale, que ce soit sur le secteur de Bresse-sur-Seine, de Nogent, de Villiers-Saint-Georges, de Provins, où nous avons toutes les preuves écrites. Il y a des témoignages aussi par la gendarmerie nationale, et on s'aperçoit qu'effectivement, les centrales atomiques, comme d'autres secteurs, comme les aéroports ou autres, sont exactement surveillés. Alain Martin, il s'est passé quelque chose de tout à fait particulier lorsque l'engin était au-dessus de la centrale. Un soir, il y avait un surveillant qui se trouvait sur la centrale, il était en exercice, et bien entendu, il y a eu une panne électrique. Tout l'établissement autour des deux cheminées, toute électricité s'est éteinte et ils se sont d'abord posé la question à savoir s'il n'y avait pas eu une panne tout à fait normale. Rien n'apparaissait illogique et lorsque ce monsieur est sorti de son établissement, il a constaté en levant les yeux dans le ciel qu'il y avait une grosse boule rouge-orangée qui se trouvait au-dessus. Et au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure environ, quand cette boule orangée a disparu, comme par hasard, comme par enchantement, l'électricité est revenue. Ce qui a déjà été constaté plusieurs fois en France, aussi bien dans le monde entier. Naturellement, ces observations d'engins étrangers au-dessus de nos sites nucléaires sont parfaitement connues de nos gouvernants. Rappelez-vous, dans la première cassette, OVNI IBI, l'invasion a commencé, Robert Hastings, au Nouveau-Mexique, nous avait parlé du survol des sites nucléaires américains par des engins venus d'ailleurs. Signalons Prism,
une revue particulièrement intéressante et très objective et très documentée sur tout ce qui concerne l'ufologie et les grands courants plus ou moins occultes tels que ceux qui président aux destinées des humains à travers les gris, à lire absolument. Dans mon ouvrage tout à fait récent, Nos maîtres, les extraterrestres, paru au Presse de la Cité, je révèle que le site de Tchernobyl, de sinistre mémoire, fait l'objet d'observations fréquentes. Il s'y passe des choses beaucoup plus étranges encore. Et ces informations que j'ai puisées dans des journaux américains et dans des journaux étrangers ne sont pas parvenues en France, comme si les médias en France exerçaient une censure de plus en plus sévère pour vous tromper. À propos de la conjuration du silence des autorités sur toutes ces manifestations OVNI, nous allons interroger Eddie Brown de Costoun, qui est un de mes amis, qui va nous faire des révélations, et son propre témoignage concerne des consignes de silence. Eh bien, ça s'est passé en 76, lorsque j'ai fait l'école des sous-officiers donc à Nîmes. C'est l'époque d'ailleurs à laquelle je t'avais écrit, où on a eu notre premier contact. Et j'ai donc eu un témoignage personnellement indirect d'engin en manœuvre, c'est-à-dire que lorsque nous étions en manœuvre, j'étais donc un spécialiste radariste Hawk, donc dans les missiles anti-aériens. Et donc étant de permanence à la console, donc devant l'écran de spot radar, j'ai déjà vu une tache traverser un écran donc qui fait environ 240 km de diamètre, enfin, d'un bord à l'autre de l'écran. Et cet objet a traversé, cette tache lumineuse a traversé l'écran en à peu près 3-4 secondes, ce qui est quand même une vitesse phénoménale. Et de plus, en rentrant de manœuvre, j'ai un ami qui, lui, était à l'école dans les chars bitube de Tran, qui sont donc aussi des chars anti-aériens, qui est venu me voir, sachant que je m'intéressais au phénomène OVNI, en me racontant que lorsqu'ils étaient à un bivouac donc de soir, ils campaient au-dessous d'une colline, et sur cette colline, tous ces chars bitubes étaient rangés donc comme à la parade. Et à ce moment-là, un engin est arrivé au-dessus de ces chars et a éclairé tous les chars simultanément par des faisceaux. Et donc cet ami est venu me revoir en me disant justement, toi qui t'intéresses au phénomène, tu aurais été enthousiasmé par avoir ça. Mais il m'a aussi dit donc qu'ils avaient reçu l'ordre, évidemment, bien évidemment, à l'époque, de leur lieutenant de batterie, plus ensuite du chef de corps, de taire les événements de façon à ce que cela reste secret. Et comme évidemment tous ces jeunes étaient tous des élèves sous-officiers, donc des élèves engagés, bon ben le silence est resté dessus pendant jusqu'à maintenant. Silence, mais aussi désinformation. Il y a un très bon exemple, celui de l'affaire Sergi Pontoise survenue le 26 novembre 1979, qui a fait le tour du monde. J'ai enquêté sur cette affaire, j'en parle, je donne des précisions nouvelles dans Nos maîtres les extraterrestres. Le 26 novembre 1979, 4h30 du matin, trois jeunes gens qui vendent des frusques, c'est leur thème, sur les marchés, embarquent la marchandise dans leur voiture et ils aperçoivent un objet bizarre dans le ciel pendant que Franck est aux commandes de la voiture, au volant de la voiture. Eux sont dans l'appartement et ils s'apprêtent à descendre des vêtements. Et ils voient cette chose lumineuse envelopper la voiture comme une boule. Alors ils sont inquiets, ils se précipitent, ils arrivent sur la voiture, au moment où la boule se résorbe dans un cylindre lumineux qui s'en va rapidement, et plus de Franck, leur copain Franck qui était au volant, a disparu. Marceau Sicot, nous nous connaissons de longue date et nous sommes ici, chez toi, tu nous accueilles amicalement, à Sergi Pontoise, à quelques 2-3 kilomètres de l'endroit où le 26 novembre 1979, trois garçons habitant ici, habitant à la Justice Mauve, qui est un quartier
près de ce qui était un champ de choux, qui n'existe plus, et près de la centrale électrique, c'était à quelle heure le matin? 2h30 du matin, 4h du matin? 4h, 4h30 du matin. 4h, 4h30 du matin. Franck était au volant de la voiture, dont le démarreur cafouillait, hein. Il ne fallait pas qu'il cale, sans ça c'était les difficultés sans nom. Et il restait au volant pendant que les copains chargeaient la voiture. Et de la fenêtre du troisième étage de la Justice Mauve, qui est le nom du secteur où ils habitaient, Salomon et Jean-Pierre voient la voiture auréolée d'une boule de lumière. C'est ainsi que tout a commencé. Oui, quand même, à ce détail près que Franck était également dans l'appartement et regardant en dehors, il a vu une sorte de cigare, d'objet brillant qui descendait vers le sol et qui semblait avoir atterri ou chuté, je ne sais pas exactement, en direction de ce grand transformateur électrique qui existe toujours. Alors, sans attendre l'avis de ses copains, il est descendu 4 à 4 l'escalier, il a sauté de la voiture qui préalablement avait été mise en pente sur le parking, il a lancé la voiture, elle a démarré, il est sorti sur le boulevard de l'Oise, qui est cette route qui jouxte l'immeuble, et il a été vers ce qui lui semblait une masse de brouillard. Une masse de brouillard. Éclairée de l'intérieur, hein, c'est ça. Éclairée de l'intérieur. 8 jours après, d'après les déclarations de Jean-Pierre et de Salomon, mais c'est surtout Jean-Pierre qui est suspect en la matière, Franck, au même endroit, dans ce champ de choux qui n'existe plus, qui est remplacé par une tracée de chemin de fer, une sorte de cuvette là, prolongée, les images nous le montrent, Franck réapparaît dans ce champ de choux où il a disparu. Pour Franck, on l'a dû lui donner un coup sur la tête, il se réveille, il n'y a plus la voiture, et il dit, on va piquer la voiture avec les vêtements, je vais me faire engueuler par les copains. Il retourne donc à l'immeuble 11 Justice Mauve, et là, il trouve Salomon en pyjama, il ignore que 8 jours se sont écoulés, il pense que 15 minutes. Il dit, alors toi, tu t'es couché, tu t'es mis en pyjama, et l'autre l'embrasse. Parce que c'est pathétique, il a disparu. Et Franck le repousse, il dit, mais enfin tu es fou. Il dit, mais non, il y a 8 jours que tu es parti. Alors tu lui dis, mais c'est pas vrai, hein, quiproquo. On lui montre les journaux. Et il se rend compte qu'il a vraiment disparu pendant une semaine. Un extraterrestre, qui se disait appelé Orio, lui a dit, nous allons venir le 15 août 1980 à Saget-Pontoise. Et là, que des justes, des sages, des personnes qui savent que tout cela est vrai, qui croient aux extraterrestres, aux bons, se réunissent et nous les embarquerons avec nous. Le 15 août 1980, toi, tu as eu la sagesse de camper avec quelques-uns de tes amis sur la butte où il y avait des petits arbrisseaux. Oui, c'était des petits sapins, mais à l'époque, ces petits sapins avaient au plus 1,50 m. Maintenant, ils ont 5 et 6 mètres. Alors, Marceau, cette foule des deux sexes, il y avait des enfants aussi, hein, il y avait des familles, beaucoup de jeunes gens. Donne-nous un peu la température qui régnait dans ce rassemblement. C'est difficile à dire parce que j'étais assez éloigné et si je voyais, je n'entendais pas exactement, mais enfin, c'était une atmosphère de jeunesse, heureuse de vivre, qui s'intéressant de près aux problèmes ufologiques, avait peut-être un peu trop donné dans le panneau de Jean-Pierre.
qui leur avait annoncé peut-être une visite d'extraterrestres qui ne s'est évidemment pas produite, puisque ça ne se fait probablement pas à la demande. Très vite, cette affaire a été traitée comme un canular, avec à la clé le souci de désinformer et de tromper le public. En dehors de l'IMSA qui avait fait une enquête systématique dès le début, il y a eu un ufologue indépendant, Didier Safranionek, avec un petit groupe de chercheurs qui, eux, sans bruit ni trompette, ont enquêté sur le site. Didier Safranionek, tu es aussi un ufologue. Et lors de cette affaire de Serge Pontoise, tu avais un groupe de recherche extrêmement discret qui s'appelait, je crois, aux frontières de la science, non? C'est ça, oui. C'est ça. Alors, donc, Franck a été enlevé. Tous les médias du monde entier parlent de cet enlèvement par une sphère de lumière. Officiellement, 8 jours se sont écoulés. Et Franck reparaît. Mais ton groupe s'était, je crois, posté à proximité de la justice mauve où habitaient les jeunes gens. Comment ça s'est passé? Voilà. Tout d'abord, si on doit revenir un peu à la base. C'est-à-dire que le 26 novembre, nous nous sommes présentés avec des appareils de test donc sur le boulevard de l'Oise. Le jour de l'enlèvement, le 26 novembre 1979. Et donc on a bien vu la gendarmerie présente avec l'estafette et tout un tas de gens autour. Quand les gendarmes sont partis faire leur rapport après avoir été ramassé différents témoignages autour d'eux, nous, on s'est présenté juste à côté du véhicule, on a enlevé notre compteur GGR et là, on a commencé à faire des tests qui nous ont quand même étonnés. J'explique pourquoi. Les premiers tests indiquaient au centre de la voiture une radioactivité de 120 milliroentgens/heure. C'est tout à fait des garçons. Bien sûr, la voiture de où a disparu Franck. Après, on a donc fait les tests de résistivité du terrain. C'est-à-dire, ce test est très simple. Il consiste à mettre un contrôleur universel sur la gamme des 2 millions de ohms et de mettre les pointes à 1 mètre. Écartées d'un mètre les unes des autres, à enfoncer à 1 mètre de la Terre. Là, on a pu s'apercevoir que le test, que la mesure nous donnait 14 kilo-ohms, ce qui était tout à fait anormal puisque le terrain avait été trempé, puisqu'il pleuvait, je crois, depuis au moins 2 ou 3 heures, une pluie fine. Et on a donc recontinué les tests de résistivité en dehors de la zone où se trouvait la voiture, et là on a trouvé des tests plus élevés. Et c'est-à-dire on a trouvé des tests de l'ordre de 25 à 30 kilo-ohms. Donc le terrain était beaucoup plus trempé. C'était peut-être parce que la voiture était présente que le sol était chauffé, puisqu'on a pu déterminer une température de 35 degrés centigrades à 1 mètre sous le sol avec une sonde. Et donc, après tous ces tests terminés, nous sommes repartis. On n'a pas cherché à voir les deux témoins de l'enlèvement. Il s'est passé quelque chose de totalement anormal, puisque les tests que toi et tes amis avaient appliqués au terrain ont décelé des anomalies. Bah, tout à fait, parce que bon, déjà, une radioactivité de 120 milliroentgens/heure, on ne la trouve pas partout. 30 milliroentgens/heure, c'était les premiers postes de télévision couleur, à condition qu'on le regarde à 10 ou 15 cm. C'est vrai que la radioactivité est naturelle, on a une radioactivité naturelle partout, dans une lampe de poche, un tube Odéon, bon, c'est tout à fait logique, mais à ce taux-là, non. On a décidé donc de faire une planque. Parce qu'on était partagé quand même entre le canular, on ne savait pas pourquoi, et la chose réelle. Et le samedi 1er décembre à 4h30, deux de nos enquêteurs deux de nos enquêteurs qui étaient en planque à peu près à 200 mètres du bâtiment de Jean-Pierre et de Salomon,
un principalement, puisque l'autre était endormi, a vu un halo lumineux, une espèce de nuage lumineux, et apparaître dans ce nuage au bout de 3-4 minutes une forme, une ombre d'un homme, ayant la taille à peu près celle de Franck. Le halo a disparu. Et cette ombre s'est mise à s'agiter un peu partout autour d'elle, s'est mise à courir, à traverser la butte et le parking. Et donc l'enquêteur qui a vu ça a réveillé l'autre, ils ont vu quand même ces choses à deux. Et après, ayant porté les yeux sur le troisième étage du bâtiment, ils ont vu qu'il y avait de la lumière et que des gens s'agitaient. Suite à ça, moi j'ai été réveillé vers à peu près vers 5h30 du matin, je me souviens plus tellement, où on m'a appris cette nouvelle. J'ai demandé qu'on fasse des tests sur le terrain. Ils ne les avaient pas fait parce qu'ils avaient quitté précipitamment Sagy-Pontoise pour m'apprendre la nouvelle, chercher une cabine téléphonique qu'ils avaient du mal à trouver. Donc ils ont attendu qu'un café s'ouvre à côté de la gare pour me téléphoner la nouvelle. Bon, il était trop tard pour faire les tests, bien qu'ils soient retournés après, parce que c'est vrai, ils sont retournés après pour essayer de faire des tests. Les tests étaient négatifs. Voilà. Alors Didier Safranionek, ces chercheurs de ton groupe, le 1er décembre, 4h30 du matin, voient une sphère de lumière apparaître, une silhouette, alors qu'on a dit officiellement que Franck était revenu le 3 décembre. Il y a donc un décalage de 3 jours. Satan intrigué, évidemment, ce retour. Et qu'est-ce que tu as fait? J'ai téléphoné vers 9h, 9h30 ce samedi matin, je ne me souviens plus exactement de l'heure exacte, à Jean-Pierre. Je lui ai dit, maintenant on peut se voir, Franck est arrivé. Il me répond, comment sais-tu que Franck est arrivé? J'ai dit, mes deux enquêteurs l'ont vu ce matin 4h30. Et là, sa réaction, il a raccroché. Il a raccroché. Mais ce qui confirmait aussi, je m'excuse, quelques années plus tard, c'est qu'avec M. Marceau-Sicot, on a pris un rendez-vous avec Franck dans un café de la gare Saint-Lazare, où je lui ai dit, j'ai la preuve maintenant que tu as disparu 5 jours et non pas 7 jours. Je lui ai expliqué pourquoi, parce que deux enquêteurs l'avaient vu, et la réponse de Franck a été tout à fait simple. C'est vrai, ça m'intéresse, ta théorie, mais il faut bien que tu comprennes que pour les gens, pour les médias, ça sera toujours 7 jours et non pas 5 jours. Voilà. Alors on peut enchaîner là-dessus, sans te demander ce que tu en penses, parce que moi je peux me mouiller. C'est notoire, si Franck a menti sur la date du retour, c'est un péché véniel. C'est pas très grave, parce qu'il a été entraîné par Jean-Pierre, qui a eu un tempérament d'escroc. Il a vu l'opportunité qui pouvait changer sa vie. Et pendant 48 heures, il a réfléchi. Et il a fait en sorte de convaincre Franck de dire, bon, tu vas te planquer pendant 24 heures, 48 heures, nous dirons que tu es revenu le 3 décembre, et non pas le 1er. Ils ont bâti, ou Jean-Pierre, qui était le meneur, a bâti un plan qui allait lui permettre de créer, pas tout à fait une secte, mais une coterie, de se faire un auditoire, où il délivrerait le message d'Oriot, les extraterrestres, il allait exploiter ce filon pour tromper les gens. Tu as sur les genoux un dossier important. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'un roman vérité qui se nomme Les Semeurs de la Nuit, qui parle de quelques affaires d'ufologie, donc aussi la disparition d'une personne âgée de 16 ans, qui a disparu pendant 16 ans aux États-Unis. Plus l'affaire de Sagy-Pontoise et une autre affaire s'étant passée dans un petit village se trouvant entre la Dordogne et la Corrèze il y a quelques années. Les Semeurs de la Nuit, un roman vérité, avec un background authentique, bien sûr, comme son nom l'indique, qui paraîtra en 1993. Nous en reparlerons. Si le gouvernement se taise, nous font taire,
ou tente de le faire, c'est qu'il y a quelque chose à cacher. L'affaire Cégepontoise en est un exemple frappant. Dans ce remarquable ouvrage, Révélation de Jacques Vallée, paru aux éditions Robert Laffont, Jacques Vallée, et il nous l'apprend, et il me l'apprend aussi, son père était un magistrat à Cégepontoise, il a grandi là-bas. Et Jacques est revenu en France, Jacques Vallée, pour faire une enquête systématique. Il en a conclu, pour avoir eu des contacts avec un agent spécial, mystérieux. J'ai l'impression qu'on a un peu orienté Jacques Vallée vers ce service officiel. Il en a conclu que Franck avait bel et bien été enlevé. Il dit textuellement, l'affaire Cégepontoise, c'est tout, sauf un canular. Donc Franck a été enlevé, mis dans une voiture par les services secrets français, et on a pu l'évacuer de ce lieu grâce à un tunnel dont Jacques pense et écrit que nous ne connaissions pas. Nous connaissions ce tunnel, puisque, sans entrer dans des détails eschatologiques, les quelques 2000 et quelques personnes qui se sont réunies là le 15 août 1980, toutes plus ou moins y ont fait leurs besoins la nuit. Nous connaissions bien, mais la voiture de ces agents secrets n'a pas pu emprunter ce tunnel, parce qu'au bout du tunnel, il y avait trois bornes de ciment qui interdisaient de les franchir. Et nous avons filmé, et nous voyons encore dans le sol, les traces de ces trois bornes qui empêchaient de circuler. Donc, les autorités, par n'importe quel mensonge et avec n'importe quelle énergie, continuent de s'efforcer de nous tromper. Elles ont raconté les salades à Jacques Vallée, de même qu'elles nous ont raconté les salades à l'époque, le fameux Gépon de sinistre mémoire, nous tentaient à faire croire que tout ça, c'est un canular pour se rendre intéressant. Le GEPAN n'a pas dit, Jimmy Guieu et l'IMSA sont complices, mais peu s'en fallait, c'est moi qui accuse le GEPAN d'être le complice d'une force noire à l'échelle planétaire qui nous indique de fausses pistes, qui nous raconte des histoires et qui nous trompe de façon éhontée. Le crapouilleux de mars-avril 1992, consacré au secret des RG, nous en apprend de Werth et de Pamur, je ne vais pas vous les commenter, il faut lire cela. Et vous comprendrez que nous soyons un petit peu irrités des harcèlements dont nous sommes les victimes, qui ne viennent peut-être pas des RG, il y a d'autres services. C'est peut-être pas le moment d'accuser publiquement qui que ce soit. Je voudrais vous montrer une publication de Pierre Rubikoff, extrêmement fouillée, sérieuse, les écoutes clandestines, moyens et contre-mesures. Ça peut vous servir. Il y a également ce supplément Mediamicro, mais c'est en anglais. Et là, il faudrait que vous fassiez l'effort de lire certaines choses, notamment cet article « What brain transmitters look like ?» On peut le traduire par « À quoi ressemble un transmetteur dans le cerveau ?» Ce sont les fameux implants qu'utilisent les gris. Les gris qui, soi-disant, n'existent pas. La preuve que les extraterrestres ne se contentent pas de survoler certains sites stratégiques ou d'enlever des gens, c'est qu'il y a une intervention néfaste parfois. Et Marcel Pech, de Tocchetti, emporte les marques dans sa chair. Sur le site et au voisinage de l'abbaye de Foncalvi, tout près de Cuxac-d'Aude, siège de Tocchetti, s'est produit en août 1985, Marcel Pech, une chose tout à fait étonnante et dramatique. Raconte-nous comment ça s'est passé. Eh bien voilà, nous étions ici même, en observation, dans la nuit du 17 août 1985. Et nous avons vu, venant de l'ouest, il est à peu près minuit, un petit disque blanc mat. Un de nos amis a pris un projecteur vert et l'a fait clignoter dans la direction de l'objet, qui a disparu au nord sans répondre. Nous étions pour cela sortis de la cour de l'abbaye
et nous étions à 40 ou 50 mètres au milieu des vignes. L'objet est revenu du nord, se dirigeant vers le sud. Alors nous avons refait clignoter le projecteur et il a disparu au sud sans répondre. Quelques minutes ont passé, excédés, quatre amis sont revenus dans la cour pour s'asseoir sur les fauteuils de camping. Et je suis resté avec un de mes amis qui a lui aussi a rebroussé chemin et je l'ai suivi à 3 mètres environ. À ce moment-là, j'ai perçu derrière moi, je dis bien j'ai perçu, un léger sifflement. Et tout de suite, une flèche vert émeraude est venue se planter entre moi et mon ami, et sur plusieurs hectares, le terrain était vert émeraude. Et plus rien. Mais tout ça en une fraction de seconde. C'était un faisceau lumineux vert. Ah oui, oui, c'était un faisceau lumineux. Et plus rien. Alors, une des dames qui était là a piqué une crise de nerfs, c'était terrible. Et puis, bah, après, bon, on a levé le siège parce que crise de larmes de ces dames, etc. Évidemment, c'était quelque chose de sensationnel quand même. Ne serait-ce que tous les hectares verts. Hein. Et nous sommes rentrés. Quatre ou cinq jours plus tard, j'ai senti dans mes doigts une légère faiblesse. Et un mois ou un mois et demi après, alors là, j'avais atrophie complète des muscles des doigts. J'ai vu divers docteurs. L'un m'a dit, attention monsieur Pêche, ce que vous faites c'est très dangereux. Et le second m'a dit, c'est le rayon vert, c'est ça, et vous en avez pour la vie. Je suis passé au CHU de Montpellier, scanner, etc., examen. Et on n'a rien trouvé. Ensuite, j'ai vu ma main se déformer, mais ça ne s'accentue pas. Hein. Alors, ce qui est désagréable, c'est que je suis droitier à 100% et que j'ai plus que ma main gauche. Sauf l'été, où je peux écrire d'une façon lisible. Parce qu'il faut 24 degrés à ma main pour qu'elle puisse écrire. Alors l'hiver, c'est terminé. Je ne peux pas écrire. Hein. Heureusement que... Ce qui est curieux, Marcel, excuse-moi de t'interrompre, c'est que il s'est produit sur ton bras gauche autre chose plus tard. Oui. Comment ça s'est déroulé? Six mois après cette aventure du rayon vert, un matin à 8 heures, mon bras gauche est tombé subitement. Alors là, j'ai eu deux secondes de panique. Hein. J'ai dit plus de main droite, plus de bras gauche. Enfin, j'ai appelé le docteur. Il est venu, il m'a fait une piqûre et mon bras gauche a refonctionné 3 ou 4 minutes après et il fonctionne toujours depuis. Et j'ai fait une enquête à la suite de cela et j'ai appris qu'en Amérique du Sud, le professeur Felicio Macado avait cherché pendant 2-3 ans sur ce fameux rayon vert. Et il concluait en disant, si on est touché en plein corps, on meurt dans les 2 mois de leucémie. Maintenant, s'il n'effleure que les membres, il brûle les tissus. Mais dans tous les cas, dans les 6 mois, on a une crise d'hémiplégie. Or, cette crise d'hémiplégie que j'ai eu au bras gauche, s'est passée 6 mois plus tard, moins un jour. Les extraterrestres ne sont pas tous des anges. Mais cette action de Marcel, sur Marcel Pêche, l'action isolée, mais attention, il existe des sortes de réseaux visant à nuire, non pas à un individu, mais à des groupes d'individus. Un exemple, avec un garçon auquel il est arrivé une histoire extrêmement inquiétante. Et je ne vais pas déflorer le sujet. Ce qu'il dit est tellement alarmant et tellement dangereux pour lui que nous avons dû, comme ce savant que nous avions interrogé dans la première cassette Omnibi, l'invasion a commencé, nous avons été obligés de cacher son visage et de faire subir à sa voix une triple distorsion électronique. Voici donc ce cas étrange que nous conclurons avec certaines réserves. Bah, disons que j'avais aussi un don de médium naturel, donc j'ai été sélectionné dans une société d'informatique à 16 ans et demi pour soi-disant donc mes capacités intellectuelles, mais il s'est avéré après que mes dons de médium étaient aussi importants si ce n'est plus. Et quel genre de travail vous a-t-on confié dans cette firme d'électronique, d'informatique? D'informatique, et bon, on dessinait des cartes informatiques, bon, à l'époque, très simplistes au départ. C'était dans les années 70? 76. Ça a commencé en 75 et bon, tout a démarré vraiment début 76.
Et puis, bon, on était 8 jeunes exactement identiques à travailler sur un projet, chapeauté par deux autres personnes qui avaient entre 25 et 30 ans. L'une d'elles était un biologiste. Donc, à l'époque, l'électronique et la biologie, c'était pas trop rapproché. On a commencé à nous demander de passer des visites médicales assez régulières. Bon, jusqu'à là, rien d'anormal. Mais ensuite, bon, ces visites, ça a été des prélèvements sanguins, puis des prélèvements de moelle épinière, ce qui m'a paru vraiment bizarre, parce que bon, on prélevait de la moelle épinière pour... Et puis, bon, après, on nous a demandé des prélèvements de spermatozoïdes. Et puis, on nous a demandé de faire un stage aux États-Unis, donc près de New York. On est parti 3 semaines là-bas. Et là, on s'est retrouvés confinés dans une sorte de petite zone industrielle. Et puis, il y a eu une perte de temps pour les 8 personnes. On s'est réveillés 3 jours plus tard, avec des irritations un peu partout sur le corps, des petits prélèvements de peau, le sexe à vif. Donc, on s'est un peu posé des questions entre nous. On nous a dit que c'était rien, qu'on avait eu des visites médicales. Et on est revenu en France, apparemment, sans plus en savoir de détails. Et à ce moment-là, donc, il y avait à l'époque un jeune biologiste qui travaillait donc sur un projet dans ses sous-sols, qui nous a contactés. Donc ce biologiste est revenu des États-Unis, m'a montré 2 documents. Dupont-Durand, ces documents, à défaut de pouvoir nous les montrer, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur leur contenu? C'est un projet, donc j'allais y venir, c'est un projet de clonage. Ah, un projet de clonage. De clonage. Les 2 premières pièces qu'il m'a fournies sont à la tête de l'État français. Donc c'était sous couvert d'une société française qui travaille pour l'État. Et ça parlait clairement d'un travail sur le clonage humain. Mais il y avait en bas de page toujours une autorité supérieure qui malheureusement n'était pas définie clairement. Et donc sur un autre des documents, là il parlait donc de personnages dont on comprenait clairement que c'était des personnes venant de l'extérieur de notre planète, des extraterrestres. Puis ce jeune biologiste devait apporter beaucoup plus de preuves. Il a mystérieusement disparu. Un des camarades avec moi a commencé lui aussi à vouloir se rebeller. Donc, il était d'une famille aisée, il n'avait aucun problème, c'était un garçon très stable. Et il a volé le coffre-fort de ses parents, soi-disant. On l'a retrouvé dans sa chambre pendue avec une lettre d'excuse pour ses parents. Une telle organisation ne peut agir sans les plus hautes complicités. L'histoire de Dupont-Durand va nous prouver cela. Il a subi d'énormes pressions pour réintégrer cette société servant de façade à une organisation complice des extraterrestres. Nous allons voir jusqu'où c'est allé. J'avais un contrat en béton qui m'empêchait de partir avant une certaine date. Et donc j'avais un programme d'études aussi à continuer. Et je devais partir à l'armée donc en août 78. Et brusquement, mon appel a été avancé à avril 78. Et pendant 2 mois, donc là, j'ai été victime de tout un tas de sévices en tout genre. Physique, les corvées habituelles, les chiottes et compagnie. Et puis donc... Les brutalités aussi. Oui, brutalité physique, oui. On s'allait du coup de pied en pleine nuit, on me réveillait à coups de pied dans les côtes, ou bien on me jette à bas de lit, la tête trempée dans l'urinoir, des choses comme ça. On a commencé donc à m'expliquer pourquoi j'étais là, et que quand j'allais ressortir, il fallait que je reprenne mon boulot dans cette société, et que plus vite je reprendrai, plus vite je signerai un papier disant que j'allais reprendre mon travail avec eux, plus vite je sortirai d'ici, on ne parlera même plus de service militaire, mais rien du tout. Et le dossier complet, entièrement, a été détruit par l'armée. Il n'y a jamais eu aucune trace de mon passage à l'armée. Moi, personnellement, après, donc, je me suis protégé. Donc, des aventures désagréables, il y en a eu forcément. Bon, j'ai radicalement changé de vie, parfois d'identité, de pays aussi, pour me couvrir. Pourquoi des réserves sur ce cas? Le témoin, certes, est convaincant et parle d'événements que d'autres ont bel et bien vécu. Au Brésil, j'ai personnellement enquêté sur l'enlèvement d'Elias Seixas, qui, à bord d'un vaisseau extraterrestre, subit mécaniquement un prélèvement de sperme. Il conserva de l'opération une irritation temporaire des voies urinaires.
Dupont-Durand s'était engagé à nous présenter divers documents qui auraient pu conforter ses dires. Il n'en fut rien. A-t-il subi des pressions? Le fait est que nous n'arrivons plus à le joindre. Cependant, jusqu'à plus ample informé, nous lui accordons un préjugé favorable. Le constat est terrifiant. Certains extraterrestres agissent comme des agents, avec une brutalité, des agents de puissance, avec une extrême brutalité. Dans IB1 et IB2, mes romans Vérité, j'ai décrit les exactions des gris. On peut parler des gris à propos des espèces négatives. Ce ne sont plus des études scientifiques, c'est vraiment toute autre chose. On peut dire que les zoomites, par exemple, font des recherches scientifiques, nous ont fait bénéficier, par l'envoi de leurs informations, d'une tentative d'ingérence, mais visant à nous faire accomplir des progrès. Mais en ce qui concerne ces extraterrestres négatifs, qu'il s'agisse des gris ou d'autres qui sont peut-être derrière eux, c'est terriblement inquiétant, parce que tout cela se fait avec la complicité d'organisations humaines, d'organisations politiques, d'organisations financières, d'organisations traîtresses, qui agissent un peu comme une super mafia planétaire. Ces magouilles officielles intéressent la paix et la guerre. Et cet ouvrage, notre allié Saddam Hussein, paru chez Olivier Orban, de Claude Angélet et Stéphanie Meynier, nous donne certains éclaircissements. Et comme je le pensais, je l'ai écrit avant la publication de ce livre, il y a une complicité entre l'Occident et Saddam Hussein, parce qu'il y a derrière tout ça le pétrole. Il y a d'autres complicités parce qu'il y a la drogue. C'est à un autre niveau. Ce n'est pas directement lié, mais nous y reviendrons. Bernard Assembert, la guerre économique mondiale, également chez Olivier Orban, car ces organismes officiels, tels que la trilatérale, trilatérale schématiquement ça veut dire trois bien sûr, l'Amérique du Nord, principalement les États-Unis, l'Europe et le Japon, sont une sorte de d'hydre à trois têtes, dont les tentacules englobent le monde, notre planète, pour y exercer ses pressions, ses contrôles. À travers ces actions économiques, il y a parallèlement des actions politiques d'une autre organisation secrète, le CFR, Council on Foreign Relations, Conseil de Relations étrangères, dont le siège est à Manhattan, dans le fief de David Rockefeller, qui en est aussi le président. Une organisation à laquelle appartenait bien sûr George Bush. Il y a également le groupe des Bilderberg. Bilderberg, cela vient du nom de l'hôtel, l'hôtel Bilderberg, qui est dans une ville de Hollande, qui a vu se réunir des hommes de divers horizons, peu après la fin de la guerre, et qui ont monté une véritable organisation secrète, qui interfère parfaitement en toute amitié avec la trilatérale et avec le groupe CFR, toujours pour nous opprimer, nous ne l'aurons pas. Moi, je crois avoir fait mes preuves depuis 40 ans que j'écris des romans de science-fiction où j'ai toujours montré mon amour pour l'Amérique. Quand j'ai posé le pied pour la première fois à New York, j'avais les larmes aux yeux parce que c'était mon pays de cœur pour lequel, et pour la France aussi, je m'étais battu pendant la guerre, pendant la résistance et ensuite dans les commandos. Donc, on ne pourra pas me traiter d'être anti-américain, non. Mais il faut que le peuple américain sache qu'il est lui aussi trompé, qu'il est lui aussi entraîné vers un chaos. Nous allons y revenir. L'un de ces chaos, voici un dossier de Claudia Pacheco, la multinationale américaine des drogues. Là aussi c'est terrifiant. La drogue sert à financer certaines choses, je l'ai dit dans IB1, les terriers des gris, mais autre chose également. En matière de scandales politico-financiers, Jean Ziegler, avec la Suisse lave plus blanc,
dénonce courageusement les méfaits des marchands de mort, inféodés à la drogue. Nous avons chez nous la République corrompue, d'Yves Chalier, chez Robert Laffont, bien sûr. Au Québec, chez Louise Courteau, la dernière valse des tyrans, la prophétie. Ces gouvernements secrets, car la trilatérale, le Bilderberg, le CFR, sont des façades d'un gouvernement secret, hégémonique au niveau de la planète. Et je suis persuadé que derrière eux, sous eux, il y a le Majesty 12, le Majestic numéro 12, le sinistre MJ12, qui lui est le tyran. Alors, nous avons consulté un politologue français, Pierre Fayant de Villemarais, qui lui n'est pas du tout ufologue, qui n'est pas du tout spécialiste des grilles, des extraterrestres, etc. Mais il va nous parler de ces organisations négatives qui nous ont amenés à Maastricht. Pierre de Villemarais, vous êtes écrivain, vous avez publié 18 ouvrages, voici celui-ci sur le sinistre GRU en 88, et celui-ci beaucoup plus récent, chez Stock, chez le même éditeur, coup d'état de Marcos Wolf, la guerre des deux Allemagnes, 45-91. Vous publiez aussi depuis plus de 20 ans cette lettre d'information du Centre européen d'information. Alors, notre propos aujourd'hui est d'introduire quelques notions précises sur le gouvernement secret. J'ai étudié d'abord toutes les affaires de l'international communiste et soviétique pendant des années, et un jour je me suis rendu compte que ce n'était pas suffisant comme explication. Une soi-disant confrontation entre deux mondes, et puis en même temps, tout à coup, des choses bizarres se passant en coulisses, et comme s'il y avait une sorte de compromis ou tacite ou organisé entre l'Est et l'Ouest par-dessus nos têtes. Donc je me suis mis à étudier aussi les coulisses du monde occidental. Et alors j'ai découvert ceci grâce à des amis aussi bien anglais qu'américains d'ailleurs, qu'il existait, bien avant la trilatérale et Bilderberg, des sociétés qui sont nées au début du siècle, à la fin du dernier siècle et au début du siècle, tout à fait, je dirais, occultes, en ce sens que on n'y pénétrait pas, n'importe qui n'y allait pas, il fallait être recruté par un parrain ou deux, coopté, oui. Et des petits cercles d'abord. Pour résumer cet historique de ce que j'ai découvert sur documents qui existent et que j'ai, que d'autres ont eu après moi ou avec moi et ont publié, mais très partiellement, moi j'ai toute une bibliothèque là-dessus, qu'en gros il s'est passé ceci. Avant la guerre, donc la dernière guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, et entre 1884 et la guerre de 14 et celle de 39-40, des groupes se sont formés comme des petites bulles, des groupes d'initiés, mais tout est parti d'Angleterre et presque immédiatement après des États-Unis. C'est-à-dire, sur le thème suivant, nous qui sommes des professeurs d'université, des intellectuels, en Angleterre, il y avait par exemple Bernard Shaw, il y avait la fille de Marx, une des filles de Marx, Eleanor Marx. Et je dis Eleanor Marx parce que c'est quelque chose qui devrait être connu de tous les historiens, qu'après avoir fondé une société d'une quinzaine ou une vingtaine de professeurs universitaires et intellectuels à Londres, ils ont envoyé en mission Eleanor Marx aux États-Unis pour créer un même groupe. Un groupe avec l'idée suivante, l'ère moderne exige que dans les universités, nous qui sommes professeurs intellectuels, nous avons la parole, nous formons des gens. Eh bien, nous allons les former à notre programme de réorganisation du monde. Et au lieu de faire la révolution par la rue, qui se termine toujours tragiquement et qui peut nous échapper, nous allons faire la révolution par en haut, c'est-à-dire par les élites. Dans nos universités, nous allons non seulement recruter des professeurs qui vont adopter nos idées, enfin, on va les recruter, c'est pas la condition qu'ils adoptent nos idées, et ensuite ces professeurs vont former des élèves. Alors, il faut voir qu'il y a eu un siècle de travail comme ça. La société à De Londres s'appelait la Société Fabienne, britannique, et ne recrutait que petit à petit, sans hâte, parce que c'est ça la différence avec les partis, les mouvements politiques. Il y a toujours l'objectif immédiat, le pouvoir tout de suite, par les élections. Eux, c'était pas ça. C'était le pouvoir dans l'ombre, comme conseiller. Ne cherchons jamais les premières places, mais soyons toujours là,
indispensable parce que nous sommes savants, parce que nous sommes professeurs universitaires spécialisés dans tel et tel domaine. La même chose aux États-Unis. Et c'est de là que sont nés, en gros, la synarchie, ce qu'on a appelé la synarchie à Vienne, qui a essaimé sur toute l'Europe, puisque c'est en 22 dont je parle pour l'Europe. Or, faut pas oublier qu'autour de Hitler, il y avait des gens affiliés à la synarchie, des gens connus, Otto Abetz, Ernst Achenbach, de la grande banque qui était dans les grandes banques avec Hermann Haps, qui d'ailleurs ont protégé et récupéré et protégé des banques juives, comme la banque Warburg dont on parle quelquefois, il y a eu un livre assez connu là-dessus. Et un feuilleton à la télévision, mais on oublie de dire tous ces liens secrets qui existaient entre ces gens. Au début, ça paraissait une fantaisie, ce gouvernement occulte, derrière n'importe quel gouvernement. Mais si, les synarques avaient envoyé des gens à Londres, des gens à Alger, et il y avait des gens à Vichy, et chacun a dédouané les autres après la libération, quoi qu'ils aient fait, et quoi qu'ils, pendant longtemps. Les Anglais et les Américains surveillaient ça de leur côté, et s'occupaient, eux, de détruire l'ordre établi. Alors, il y avait un empire. Parce que c'est là où il faut voir l'évolution de ces sociétés occultes. Au départ, et on le trouve dans le pacte synarchique dès 1922, puisqu'il a été rédigé en 22, mais seulement découvert au moment de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, il est dit textuellement qu'il faut réorganiser le monde en 5 grands ensembles économiques qui sont, alors il faut se mettre dans le contexte de 22, la Panamérique, la Pan-Europe, non, ils disent la Pan-Eurafrique à ce moment-là, parce que l'Europe avait des projections sur l'Afrique, le Commonwealth britannique, la Panasie. Absolument. Et donc, il dirigeait le monde en 5 grands ensembles économiques. Alors, arrive la guerre, donc, ils ont été obligés de réviser au fur et à mesure des bouleversements de 45, 44, 45, un peu leur ordre. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, il vaut mieux carrément faire sauter le Commonwealth, qui était intégré complètement à la couronne, mais à condition que l'Empire français, on dit les Anglais, parce qu'il y a beau avoir des coteries, il y a des rivalités à l'intérieur de ces coteries semi-occultes, il faut détruire l'Empire français. Les Américains étaient d'accord, d'autant plus que les gens de l'OSS devenus CIA, je ne dis pas tous, il y avait des initiés dans tous ces mouvements. Bien sûr qu'on ne peut pas cataloguer tout un mouvement en bloc, c'est le tort quelquefois de certains de nos amis, c'est de vouloir que tout passe par le trou de serrure, puisqu'un tel est du club, donc c'est un salaud. Non, il faut voir ce qu'il fait, ce qu'il dit, parce qu'il y a des gens qui entrent dans ces clubs par opportunisme politique, par carriérisme, mais il ne faut pas se faire d'illusions, tous ne sont pas des initiés. Je donne un exemple, mon beau-père connaissait bien Pinet, le président Pinet, et un jour, il lui dit, qu'est-ce que vous allez faire dans cette société qui s'appelle Bilderberg? Bon, on va en parler, je vais expliquer ce que c'est que Bilderberg. Mais Pinet lui répond, vous savez, on rencontre des gens intéressants dans ce club. C'était aux années 50, ça, hein, après la fondation de Bilderberg qui date de 1954. Moi, je trouve qu'on a des réunions dans un pays puis un autre, ça me fait voir du pays, et pendant que ces gens-là, ils m'embêtent avec leur discours, parlent de refaire le monde, moi, je m'en vais faire du footing. Alors, mon beau-père lui avait dit, président Pinet, vous servez de caution à des gens qui, dans votre dos, eux, travaillent. Car déjà, j'ai des textes qui datent de 1932, de ces milieux-là, des textes internes, où on parle du nouvel ordre mondial sans arrêt. Donc c'est pas une découverte que le président Bush l'ait dit après la guerre du Golfe. C'est simplement une confirmation. Parce qu'on ne nous fera pas croire que ces gens-là ont toujours le même langage à travers un siècle, sans qu'il y ait une doctrine à la base. Il y a un fil conducteur. Alors, après la guerre, il y a donc la soi-disant guerre froide qui commence, je dis soi-disant, puisqu'ils y ont été mêlés à... comme on peut lire dans mes livres, à certaines affaires secrètes, j'ai quand même vu que c'était une horrible mascarade. On voulait bien empêcher le communisme de nous prendre ici comme les pays d'Europe de l'Est, mais on voulait pas le détruire, on voulait s'arranger avec lui, ce qui est très différent. Il y a des milliers de gens qui sont morts d'avoir cru que l'Occident les aiderait à se libérer du totalitarisme communiste. Né Bilderberg en 1954. Bilderberg est une association euro-américaine, ce qu'on oublie, et pas du tout européenne, euro-américaine, puisque David Rockefeller était à la fondation, Bill Donovan, l'ancien chef de l'OSS, était à la fondation, Alan Dulles, chef des services secrets, était à la fondation, pour ne citer quelques noms connus,
Du côté européen, qui y avait-il derrière Binzelberg? Jean Monnet et tous les gens de l'équipe qui sont, ont dit il faut faire l'Europe, faire l'Europe, faire l'Europe. Bon, mais leur Europe. Et ce qui ne veut pas dire une Europe de la liberté. Alors la trilatérale, j'en parle tout le temps, c'est quoi? Elle est née en 73 d'une réunion qui s'était tenue en 72 à Davos, en Suisse, où j'étais, mais je n'étais pas invité. J'étais par hasard chez les amis à Davos. J'ai vu, je me suis cogné à Henri Kissinger, à des gens très connus. J'ai fini par demander à mes amis suisses, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai vu des soviétiques, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? 73, hein? Absolument. Attention, il n'y avait pas encore l'écroulement du mur. Et ils me disent, mais il y a une réunion bizarre, la police est sur les dents, il faut surtout pas qu'on sache qui est là, c'est interdit de prendre des notes, de prendre des photos. Bon, j'ai quand même eu par mes amis suisses beaucoup de choses, et même eu la sténographie de leurs débats internes. Ce qui m'a beaucoup éclairé en 72, parce qu'ils annonçaient qu'ils allaient créer l'année d'après un organisme, ils n'avaient pas dit lequel. Mais l'homme qui, de cette concertation, où il y avait une centaine de gens, donc j'ai parlé de Kissinger, il y avait des Japonais, il y avait une délégation soviétique, dont un vice-ministre du gouvernement soviétique. Et n'oublions pas que c'était, soi-disant, toujours la guerre froide. Bon, or ils étaient là. Et la conclusion applaudie par les soviétiques dans ce vice-ministre qui s'appelait Bykov, qui existe encore, de M. Perlmutter, un économiste américain très connu, était la suivante. Écoutons bien, hein, 72-73, ça c'était l'hiver 72-73. Il faut qu'avant 20 ans, nous ne soyons plus que 200 ou 300 multinationales dans le monde à contrôler tout ce qui est recherche, exploitation, répartition des matières premières clés de notre époque. Et donc voilà la phrase textuelle. Et il expliquait, à partir de ce moment-là, il y aura trois moteurs dans le monde. Le moteur industriel panaméricain, le moteur industriel japonais et le moteur industriel paneuropéen, incluant l'Union soviétique. En 72-13. Et l'année d'après, donc, naît la trilatérale, qui était donc trois moteurs industriels drainant derrière eux, à partir de trois grands ensembles économiques, tout ce qui n'était pas multinational. Ils disaient même dans leur texte que toutes les petites et moyennes entreprises de nos pays deviendraient des sous-traitants, donc aux ordres. Voilà en gros, si vous voulez, je crois, ce qu'il faut que les gens sachent, c'est qu'on est manipulé par des gens qui ont tout en main parce qu'ils ont les leviers économiques et monétaires qui sont beaucoup moins frappants pour le public, qui ne comprend rien aux histoires monétaires, par exemple, que si c'était une affaire purement politique. Non, c'est technocratique, c'est monétaire, c'est financier, c'est la grande coulisse mondiale. Et d'ailleurs, à mon avis, même si ces gens sont très puissants, ils échoueront. On n'est pas impuissant parce que plus on répète, plus on les dénude en public, le roi est nu, on connaît l'expression, plus ils sont gênés parce que il y a eu une époque, il y a 20 ou 30 ans, où c'était un peu trop tôt, quelques confrères et moi, on parlait de ça. C'était trop tôt, les gens n'étaient pas mûrs, prêts. Maintenant, tout le monde sent qu'il y a quelque part ce que j'appellerais vulgairement un truc. Ce qui explique que les Français, qu'on croyait endormis, se réveillent tout d'un coup quand il y a une discussion autour d'une chose comme Maastricht, parce qu'ils sentent instinctivement qu'il y a quelque chose qui est truqué dans la coulisse. Ils voudraient savoir. Les dés sont pipés. Voilà, ils savent que les dés sont pipés. Pierre de Villemarais, je l'ai dit et je le répète, n'est pas un ufologue. Il n'est pas du tout spécialiste de ces problèmes. Mais ce qui est terrifiant et inquiétant, c'est que ces conclusions rejoignent les nôtres. Cette ingérence étrangère est liée aux extraterrestres. Et cette ingérence n'est pas une abstraction. On nous a, au cours du mois de septembre et dans les mois qui ont précédé, raconté quantité de choses, il faut voter pour Maastricht, il faut unir l'Europe, etc. Je suis bien d'accord, je suis tout à fait d'accord et je me répète, je me cite, mais c'est vrai, depuis 40 ans que j'écris des bouquins de science-fiction, dès la première décennie, j'ai toujours prôné les États-Unis d'Europe et ceux du monde, mais pas à travers la mainmise de la trilatérale du CFR. Non, pas ça. Autre chose. Alors Maastricht, ça nous a amené à la victoire du oui. Peu s'en fallait. Et je pense que
un jour, on apprendra ce qu'un anonyme, qui semble beaucoup moins bien renseigné, nous a dit au téléphone, à savoir que il y aura un jour des surprises, et sur les pourcentages du oui, et sur le pourcentage du non. Et si vous me permettez une remarque un peu cavalière, un peu leste, on s'est fait couillonner à Maastricht. Et c'est pas ceux qui manifestent, les paysans et autres, qui prétendront le contraire. Alors savoir que indirectement ou directement, les extraterrestres négatifs, les gris par exemple, ou ceux qui sont derrière, que nous ne connaissons pas encore, sont mêlés à tout cela, tirent les ficelles, c'est vraiment inquiétant. Vous n'êtes pas sans savoir, comme nous, que le GEPON de sinistre mémoire avait son siège au CNES, Centre national d'études spatiales à Toulouse. Il a été remplacé par le CEPRA, qui est la même organisation dont le but n'est pas de faire la lumière sur les ovnis, on le sait très bien, mais de l'évacuer sous le couvert de canulars, etc. Et alors, le CEPRA, tout comme le GEPAN, vous n'êtes pas sans savoir, ou alors je vous le rappelle, qu'il a son siège à Toulouse, que le PDG du CNES, Centre national d'études spatiales, c'était M. Hubert Curien, notre actuel ministre de la recherche scientifique, qui fait partie de la trilatérale. Voici une publication d'Henri Coston, c'est pas moi qui l'ai écrite. Voici, noir sur blanc, le meeting de la trilatérale qui a eu lieu à Paris en 1989. Il y avait un certain nombre de personnalités. Claude Imbert, un journaliste très important, qui contrôle Le Point, qui a travaillé dans Paris Match, qui a travaillé à AFP. Donc, quand on tient les médias, c'est déjà quelque chose de colossal. Si le ministre de la Recherche scientifique, M. Hubert Curien, qui contrôle le CNES, et les organismes qui sont censés faire la lumière sur les ovnis, appartient à la trilatérale. Mais voyons-nous, nous sommes dans une nasse. C'est terrifiant. C'est pas moi qui le dis, c'est pas moi qui l'écris. Ce n'est pas de la science-fiction. On pourrait dire de la science-affliction, peut-être. Mais ça, ne l'oubliez jamais. Dans tous les rouages des nations, des ministères, des médias, des moyens publics, etc., il y a des gens de la trilatérale, du CFR, des Bilderberg. Ces gens-là nous oppressent. Et pour ceux qui douteraient encore, Claude Imbert, dans son propre éditorial du Point, confirme l'existence du sinistre groupe Bilderberg. Alors, c'est pas parce que nous sommes menacés, c'est pas parce que l'étau tente à se resserrer, ce n'est pas parce que nous sommes des vermisseaux comparés à ces monstres d'autorité que sont ces super mafias qu'il faut se taire et se cacher la tête dans le sable. Je crois qu'il faut avertir les gens. Il faut leur dire, attention, soyez vigilants, ne croyez jamais les négations officielles. Tout cela n'est que mensonge. Nous en apporterons un jour la preuve. Et alors, ce jour-là, il y aura des pleurs et des grincements de dents.